Il y a vraiment trop. Ah mais c'est ça qui va pas là, les caméras en fait elles sont inversées d'un côté et de l'autre. Ah voilà où il est le problème qu'on va régler dans la stream future. Parce que pour l'instant, c'est Kimarito contre Ferradit, le Knuckles contre, contre Falcon. C'est Ferradit, incroyable joueur de mêlée. Oui, ça va être un gros challenge pour Kimarito d'affoder son style pour ce joueur. Après, je pense que je sais pas à quel point Ferradit est expérimenté. Donc peut-être que Knuckles fait un. Comment? Ça va être un perso contre lequel il va avoir du mal à trouver des combos. Là, on voit par exemple qu'il rate le nid. Et non, Lunarich, je ne rêve pas, il y a effectivement Ferradit sur ce truc. Mais salut à tous. Salut Lunari. Lunari, on m'a dit que tu es à présent autrichien. Tu as quitté, tu t'es fait un peu kidnapper par l'Autriche du jour au lendemain. Oh là là, oh, dommage, si ça passait, ça aurait été trop beau. Oh là là, Upkin, pour faire Spike. Mais ouais, ça va être un match compliqué pour Kimarito. On se rappelle du match de Ferradit contre Secrétaire, qu'il avait fait un 2-0 bien énervé. La stock est prise pour Ferradit, mais non pas mal. Hein. Non pas mal, exactement. C'est Je suis comment? J'ai l'impression qu'on est parti pour un set très intéressant. Exactement. Après, je dis ça, mais... N'arrête pas. Oh, le nid a failli passer. Ah, le nid a failli passer, mais là je pense que là, on est sur... comment? On est sur le moment où Ferradit essaye de s'adapter, de trouver les timings de jeu, etc. Et là je vois petit à petit, on s'adapte au poids de Knuckles, comment il vole, etc. C'est ça, je pense que là pour faire vite c'est plus savoir comment tuer rapidement plutôt que comment bien se défendre. Là il. Bah oui. Et bah après même comment bien se défendre, ça va sûrement devenir une question. Oh là mais quelle force ça lui porte au ledge. Trop fort au ledge, c'est incroyable. Hop, dash attaque de Kimarito, le fer qui passe pas. Ok, on prend la plateforme. Ah là mais. Alors on essaie de trouver des réponses contre Kimarito, mais pour l'instant, ah ça touche le Dunby, la triche, la tricherie du perso. Mais oui. Ok, donc là c'est ça cherche quand même dans le neutral, donc un gros tout ça. Un gros nid bien chargé. Voilà, c'est comment ça tu short hop, ça va pas se passer comme ça. Le chat. Ah oui, le chat. Le chat. Et du coup, ouais, dernière stock pour les deux joueurs, c'est très comment? C'est très fouillis, c'est très celui qui comment? Qui arrive à toucher à trouver le plus de touches dans la mêlée. Yes. C'est pas évident pour Kima. La prochaine séquence, ça peut être mortel. Bah oui. Et voilà, la voilà. 1-0 pour Ferradit. Exactement. On sent qu'il s'adapte petit à petit. Mais est-ce que Ferradit devra faire des pompes alors? Bah je sais pas. C'est je pense que comment? C'est son choix. Ah mais attends, je peux faire un truc comme ça, je crois. En fait. On est en train de régler les caméras, vous inquiétez pas. Oh là là. Alors. Ah, je vais commenter ce match en attendant. On remet Kimarito au ledge. En soit Kimarito qui connaît bien le upstage dans cette partie. Pas évident de garder un avantage concret contre Ferradit. Ça cherche. Oh il est là. Petite erreur de la part de Ferradit qui perd cette stock. Le nid bien placé. Il va y avoir Kima qui s'en sort. Empêche vraiment de prendre ce milieu de terrain. Le nid qui passe et Ferradit rattrape son retard. Et Kimarito est de retour à gauche, mais il fait des appels de verre.
Il tient un peu. Il fait Barito qui joue en mort. Il joue en mort, c'est SOS. À l'aide, le combo grip de mon adversaire est trop présent. Team Barito qui, pour l'instant, se prend quelques pourcents petit à petit. Le nick passe. Allez, il va falloir sortir. Oh, bien joué. Bien joué pour venir sur son ledge. Là, il faut pas le laisser remonter. Voilà. Petit. Vraiment petit qui se bacard avec la caméra. Elle n'a aucun sens. D'un côté ça bouffe et de l'autre non. C'est ça. Even pour 100, even stock. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Le EPR qui a failli passer. 147% pour faire Adit. Je sais pas si le chat vous m'entendez bien, si c'est pas trop fort. Le Nick qui passe. Oh ah, il avait explosé le retour. Non, désolé, je sais pas si c'est sur le chat. Je crois que. La game est zoomée. La game est zoomée. Je ne sais pas pourquoi. Au secours. Alors, je vais regarder l'écran en attendant Dio. Alors, le EPR qui met Falcon en dehors du stage qui n'arrive pas à remonter. Peratita une stock qui Marito à 2. Ça se cherche au milieu du stage. Le Nick qui passe. Falcon. Qui passé. Hop. Et voilà. Désolé, j'ai fait des bêtises. Of your getting destroyed. Exactement. Alors en attendant, tic. Ferdit est à une stock qui Marito à 2. Ah ouais, Kimarito qui fait carrément le taf. C'est Tiens, il va tuer. Non. Mais oh là là là. Ça tue. Incroyable. Une queue. Ça va l'aide les enfants. Oui. Marco. Chat Kimarito qui veut rien ban. Kimarito en stance, Chad. Ferdit qui a switch sur Falco. Ok. Oh là, oh le shine. Oh là là. Qu'est-ce qui nous. Oh là là. Oh une séquence. Oh. Un enchaînement de shine et de down air. Kimarito pouvait rien faire. Là, je pense que ce moustique de Falco ne peut rien faire face à cette tortue de Knuckle. Par chez moi, on appelle ça la séquence perdez vos amis. Hein. Perdez vos amis. La séquence, mon petit père veut plus jouer avec moi. Arrête de faire semblant de jouer. Là, c'est vraiment POV, you're getting destroyed. Hein. Littéralement. Ah bon, c'est pas grave. Marito peut peut-être rattraper son retard sur ça. Up smash, up air. Gros up smash là. Là, ça. En tech chase. C'est la bourre. Ah, mais là. Je pense que là ça va être dur pour Kimarito. Ouais. Parce que les lasers de Falco, c'est quand même grave un truc de joueur de mêlée de savoir jouer contre. Ouais. Je pense que rien que ça met la sauce. C'est pas non plus évident là, il faut que pour Kima il cherche l'erreur sur les. Pour les coups. Attendant, on enchaîne avec les nerfs et les shines sur le knuckle. On les scrape ici. On laisse pas remonter. Est-ce qu'il va remonter? Oh là là, le tournée! Oh là 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 là! Là c'est dur! C'est pas bon! Kimarito! Fais ta magie! Alors pour ceux qui rejoignent, pardonnez-nous, ça fait 1-1, pas 1-0, c'est bien 1-1. Voilà, je tenais à le dire pour. Je l'ai pas dit. Voilà. Et ça fait 2-1. Ça fait 2-1 maintenant. Bien joué à Ferradit. Bon, cette game avec Falco était un peu expéditive. Ah, c'était vraiment cruel. Mais c'est un BO5, nous le rappelons. C'est BO5. Kimarito a encore le temps de s'adapter. Ferradit sur Max. C'est FOC, hein, le stage. Ouais, c'est la map Kirby avec les cristaux là. Tout à fait. Tout à fait. Et là, on est sur Green Hill Zone. On est sur Mars, effectivement. Mars, d'accord. Il a re-switch. C'est Ferradit qui fait le tour de ton roster. Qui embête les Théo. C'est ça. Les Théo qui doivent changer de personnage chaque game. Laissez-les tranquilles, s'il vous plaît. Ils ont assez de clics là par en braquette. Laissez-nous jouer.
Ok, du coup le marque de Ferradit. Je pense qu'il va. Ouais, je pense qu'il a plus voulu plutôt switch sur un tipper pour gagner en range dans des phases de neutral. Je pense que ça peut être cher Mars. Et là, ça tue sur le grab. Ah, la back throw de Knuckles. Incroyable kill pro. Et donc, du coup, ouais. On tente que Kima et. Olex qui dit il a trouvé son main pull plus, c'est bon. Ah non, il est belge. Aïe aïe aïe. Et pour répondre à ta question Lunari, je vais pas le bracket P plus parce que ben en ce moment j'ai la flemme de faire des tournois, tout simplement. Et comme ça bah je peux faire des trucs genre m'occuper de la régie, donner un co-script, genre oh non de choses. Et Kimarito qui se FD trouve que c'est trop facile contre Mars. Donc si c'est aussi facile, chaque sort que je prends, je vais m'en retirer une. Ce sera plus intéressant. C'est son game plan contre les Mars belges. C'est ça. Faire cheater tes adversaires. Tu fais plus de Street Fighter 6 toi? Pardon? Tu fais plus de Street Fighter 6? Bah en ce moment je joue pas trop, là en ce moment je joue à Pokémon, je joue à des ROM hacks genre Emerald Rogue, Radical Red. Ah. C'est Tu te reposes sur des solo games hein. Ouais bah juste en plus j'ai envie de jouer à ça en ce moment. T'as bien et ça va revenir la bagarre mais là en ce moment c'est Pokémon. Et mais bon, plutôt que de parler de ma vie, on va parler de la game et Ferradit qui est sur ta dernière stock. Oui. Il va falloir sortir ton meilleur finish game. Oui. Pour remonter ça et pas laisser de chance à son adversaire de remonter au score quoi. Oui. Parce que. Mais j'ai remarqué que Knuckles s'accroche au mur. Oui. Avec son side kick, d'accord. Comme dans ce jeu. Oh là là, et puis la game. Et très bien joué, hein. Le dodge de Knuckles pour être sûr. De tuer son adversaire, non pas Emerald Calisto, Emerald Rogue Rolex, rien à voir, c'est Pokémon Emerald en roguelike. Googlez ça, c'est incroyable, si vous aimez Pokémon et les roguelikes, jouez à Emerald Rogue. Faites-moi comprendre. Et du coup, le retour du Falco, bah, ça me semble évident, t'as été clairement oui. Le perso sur ce set qui était le plus efficace de loin. C'est ça, clairement. Et Ferradit quand même, certes il veut s'amuser avec les persos mais là, moi, hein. Ouais exactement. Je me demande si map comme ça avec plusieurs plateformes c'est pas plus avantageux pour Falco comparé à Knuckles qui a peut-être préféré des maps en DF sans plateforme. Bah justement je pense que c'est plus intéressant contre Falco d'avoir des plateformes parce que ça te permet de jouer autour des ladders plus facilement. Ok. En tout cas moi contre Falco en général j'aime bien avoir des plateformes. Pour permettre de jouer sur ce blaster. Hein. C'est ça. D'accord. Pour pouvoir tourner autour, pas être obligé de. Oh là là, mais le dummy de Knuckles, il est terrifiant. Ah oui, il est terrifiant, dommage. Kimarito qui a pas eu la bonne le bon Edward, mais c'était très bien. Il était dans une très bonne position quoi qu'il arrive. Okay, le backer ça a tué. Aïe aïe aïe. Premier stock qui s'en fait. Faire vite, mais c'est serré, hein. Fast tap. Alors, la back throw. Ah dommage. Alors... Ah là c'est. Ah mais le dummy de Knuckles qui est dur à gérer hein. Oui. C'est je vois les joueurs. Bah après je pense que comment. C'est il faut apprendre à le gérer, ça va être un move qui est qui est punissable. Mais en attendant, Kimarito en mine et abuse très bien, comme il se doit. Ok, double backer ça touche pas. Le backer dans le side. Allez là, c'est Ferrat, il laisse pas trop de temps pour l'adversaire ouais. De jouer. En même temps, il va pas trop commit. Il sait que Knuckles, ben, ça fait très vite. Ça peut tuer très vite. Bah c'est ça ce que je voulais dire, c'est que Ferradit joue bien son running, il sait que Knuckles a besoin de commit et que lui en. Il peut répondre à ça. Oh il est en air. Le late donner comme ça. Spike. C'est beau. Et j'allais dire malgré ça c'est even. Oh mais ça a failli tuer hein. Ça a failli. Quelques pourcents de là ouais. Il était mort hein. 2-3% un peu après ça a tué. Game 5. Ah là là. Kimarito nous le disait, il a toujours un peu peur de sur P+ pour l'instant de chercher offstage. Bah ouais, alors que là clairement il y avait moyen d'aller chercher Falco avec un air. Ouais, c'est ça. C'est comme quoi faut jouer à mêlée hein, pour apprendre à mieux Edward les spacing.
On s'est dit, alors, Timarito qui trouve un air en tail. Ok, ouais, là, le Dunby fait shield. Allez, ça passe encore. Shine. Et où il est où? Oh là 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 là! Par ce coup, Timarito qui fait bonjour au public à chaque surprise avec le Dunby. Ah bah oui, bah un homme de la caméra. Tout pour la télé. C'est ça, 100%. Ça va être dur de rattraper. C'est dur de rattraper. Là, on le renvoie offstage sur sa pression. Ok, F-Pro. Ah, là, il faut chercher des kills. Ah, bien joué. Bah oui, il met sa trade. Là, pareil, là, il pouvait aller chercher, il pouvait aller à l'équipe. Oh. Hein. Mais... incroyable, la puissance, la force des coups de Knuckles. Je serais pas m'avancer, mais je pense qu'il spam un peu trop ce coup, mais... Le Dunby? Le Dunby, ah bah voilà. Oui. C'est... mais en même temps, ça se tente. Et... 3-2. Ah. Kimarito qui est reparti faire des pompes. Encore une fois. Oh là là, je... Non, par contre, je veux pas juger son mouvement, mais... Bah non, il fait plus des coups de rein que des pompes, mais Ah, c'est ça, c'est...